Christ et puis à pour nombre de temps il est venu côté nous il dit bon petit garçon si tu connais l'évangile tu cher on ça on pas qu'on converti parce que son malheureuse moi on pas que cop pour payer l'évangile ça pas moi et puis t'expliquer pour ça la dernière fois mais fois ça gagne plus l'autre rencontre plus plus réalité et le besoin d'autres et besoin pour nous assembler besoin pour nous ensemble ou après le plan Satan qui est là, qui est dans la rue, qui était nous loin. Depuis tout à l'heure, à serviteur, tu as commencé à parler. Là, dit, les nous deux, on ne va pas régler rien, on ne va pas venir plus près, deux, on ne va pas nous plus près. Donc, et dans toute raison, ça, et nous parlons de la raison théologique, notre raison pratique, ça nous rencontre qui fait que Pierre Lacroix décide qu'il y a une gros campagne nous gagner pour amener ces âmes. Ils n'ont pas perdu, mais ils ont enfouraillé. Ils n'ont pas perdu, mais ils ont en otage. Ils n'ont pas perdu, mais ils ont dans le désert. Donc c'est de vous parler, mais juste avant, vous pouvez regarder vidéo ça de construction Pierre Lacroix aussi, qui doit expliquer un genre de détail dans 10 minutes qui gagnent. Alors lui-même, j'ai à peine 3 minutes en détail pour comprendre très bien pour qui ça, nous focus en pile sur ces gens qui méritent restaurer, qui méritent restauration. Nous-mêmes, nous tous là, nous sommes des restaurés. Et des fois, nous sommes dans l'église, dans le leader local, nous ne sommes pas dire. Nous vraiment perdu. Donc avec nous-mêmes, avec Pierre Lacroix, vision Pierre Lacroix, c'est nous-mêmes, nous jouons l'église, nous-mêmes, nous résolvons, nous connaissons, nous pas arrêter sans que nous pas rassembler, nous pas arrêter sans que nous pas prier, bon Dieu, nous pas arrêter sans que nous pas avec les assemblées des frères, puis Bible là-bas, toute raison, c'est comme ça pour nous grandir, c'est comme ça pour nous vivre, c'est comme ça pour nous nier. Donc, et après, qui gens que nous-mêmes, pour nous commencer avec Pierre Lacroix, c'est dur labeur et dur dépense. Côté que c'est 2-3 leaders que nous y ayons et près de moitié million dollars dépensés sans que ce n'est pas peur. Parce que nous t'es toujours voulu. Tu te demandes, mamie, t'es dit, l'évangile coûte trop cher. Ça veut dire, c'est parce que nous-mêmes nous réalisons, nous-mêmes dans le leadership et Pierre Lacroix, spécialement, nous et toi, parce que tu as commencé, pasteur Richardson, pasteur Thibault, ensemble avec pasteur Davidson, que le bon Dieu baille vision, nous fait peuple la payer vision. Et au moins pour commencer, nous pour opérer, pour continuer, pour marcher, oui, nous comprenons. Mais en pile fois, pour commencer, ça que l'ordre du monde, ou commençons l'église, venez nous dans le courrier. Nous fait commencer où l'église, nous allons, oh, elle allait. Elle pour le bail Bill, elle pour le bail Kai, elle pour le bail passer, parce que vous commencez, c'est sous poche, il va se faire. Donc nous-mêmes, pour nous commencer à faire la différence. Pour nous pas prêcher, mais nous faire. Oui, nous pas prêcher, ça pas ça. C'est facile pour faire ça. Et remplir le monde, prédicateur, évangéliste, il y a des gens qui sont solides, mais qui ne parlent pas ça. Ça ne parle pas ça, c'est plus facile pour faire. Ça qui est difficile là, c'est faire ça que ça. Donc ça fait nous-mêmes, au lieu pour nous parler, ça ne pas ça. Nous essayons de moyens, nous capables pour nous faire ça que ça. Et ça, pour parler de construction, nous faisons une façon pour le peuple là, où on a commencé l'église depuis juillet. Nous disons peuple là, depuis le mois dernier, nous disons peuple là, entrez, venez adorer, point final. Pour entrer, venez adorer. Donc, tout ça pour nous montrer, nous commençons, depuis que j'ai commencé à nous porter fado lourd, une façon pour les gens ne pas sentir, ils n'ont pas de confiance dans le leadership local encore. Mais ils ont le leadership local, ce n'est pas les gens qui ont dit, parier là, mais ils ont même parié l'argent. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de sang dans la vision. Donc, on garde ensemble, parti ça. Et qu'on voit des gens, on garde pour le Dieu sa première, sur l'histoire. On arrive. Pierre Lacroix Christian Center, c'est une nouvelle église qui fait couvrir Port-Li dans la communauté haïtienne. Pierre Lacroix Christian Center is a new church in the Haitian community. Au mois de mai 2020, alors que l'épidémie COVID la fait commencer à battre aux États-Unis, dans Connecticut, il y a plus d'une vingtaine de jeunes haïtiens américains qui font partie de un groupe depuis 20 ans qui a étudié la Bible avec un pile notion théologique et de prière aussi, décidé de mettre sous pied une église pour génération ça. Pierre Lacroix. In May 2020, at the beginning of the COVID pandemics, a Bible study and prayer group of about 20 young Haitian Americans in Connecticut decided to form a new church for this generation. Yo te gen à la tête yo trois leaders, pasteur Ronel Richardson, pasteur Davidson Dagrin
et pasteur Thibaut de Nazareth. Entre eux, qui a plus que 35 années d'expérience pastorale. This group was led by three pastors who had more than 35 years of pastoral ministry experience between them. They were Pastor Renal Richardson, Pastor Davidson Dagren, and Pastor Thibaut de Nazareth. Après en pile planification, en pile étude, en pile la prière surtout, après 2-40 jours de jeûne entre eux, le groupe s'est grandi jusqu'à plus d'une centaine de jeunes leaders aux États-Unis, dans plusieurs États, Canada et Haïti. After lots of planning, studies and prayer events including 40-day fasting, the group grew to more than 100 young leaders from Canada, Haiti and several states in the US. Après 3 ans et demi, en octobre 2023, groupe l'a décidé ouvrir un programme de prière, une veille de nuit tous les vendredis soirs de 8h à minuit. In October 2023, after 3.5 years, the group decided to start a watch night prayer every Friday night. Pendant 6 mois, bon Dieu t'a accompagné groupe ça, na activité ça qui était un gros succès. God approved the Friday night prayer program. It was a success for the intended 6 months of its existence. C'est comme ça en mars 2024, le groupe a été acquéri un gros espace et il a décidé de bâtir un temple à l'Éternel. So, in March 2024, the group leased a pretty big empty industrial space and started the ambitious project of building a temple for God. C'était un aucun chien défi, puisque temple ça, il doit refléter grande gloire de l'Éternel et aussi grande mission ça pour génération. It was a great challenge. The temple had to reflect the greatness of our God and the grandeur of our vision, even though we were only starting. Défi a été plus gros toujours, lors considérer ces 2-3 leaders qui mettent ensemble pour dépenser presque moitié million de dollars dans la construction du temple, alors que pas de qu'on peuple, pas de qu'on assemblée, pas de qu'on congrégation. Ils ont voulu commencer à lever des fils à côté, c'est pas comme peuple, mais c'est comme eux-mêmes, ensemble avec Zamio, qui pour mettre ensemble, pour bâtir un temple à l'Éternel, et puis pour peuple à venir, venir adorer, sans qu'elle saute. The challenge was even bigger, considering that it was only a few leaders who had to come up with hundreds of thousands of dollars by themselves. There were no congregation to lean up on, no assembly to contribute financially. The goal was to build a church where the people could just come to worship and praise, with peace in their hearts. Construction a duré près de 4 mois, avec un pile effort, un pile sacrifice. Petit monde, grand monde, tout le monde mettait main, tout le monde mettait cerveau, tout le monde mettait poche. With a lot of sacrifice, the construction lasted about 4 months. Adults, children, men and women, everyone was involved in making the project a reality. Malgré qu'elle sautait, malgré défi sous défi, bon Dieu t'es campé à groupe ça. Despite the fears, despite the stumbles, God stood with the group through all the challenges. And the project was going from miracles to miracles. Jour de dimanche 5 mai 2024, d'après la dictée de l'Éternel, d'après la demande du Saint-Esprit, groupe là te fait premier service ensemble, en bas construction. On Sunday, May 5th, 2024, following the Holy Spirit's revelation and command, the group had their first Sunday prayer service, even though the construction was still going on. Construction a continué malgré un pile de dépenses qui a multiplié.